Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après les avoir brisés les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le soir, Jésus-Christ, nous célébrons deux événements majeurs ici aujourd'hui. Le premier qui concerne l'Église universelle, c'est la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Et le deuxième qui concerne le pays dans lequel je me trouve, le Cameroun, qui célèbre sa fête nationale. Je prie donc pour le Cameroun en ce jour, spécialement à l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, que ce soit un pays davantage juste, que ce soit un pays qui a des dirigeants qui doivent davantage aimer la population, aimer les citoyens et œuvrer pour le bien-être de notre nation, afin que davantage la paix soit dans ce pays et aussi le bien-être. Que le taux de chômage baisse davantage et que les salaires puissent augmenter et que justement la délinquance juvénile qui est en train de prendre du terrain soit davantage réduite à travers des parents qui travaillent et qui soient capables d'envoyer les enfants à l'école. Qu'il y ait plus de justice et moins de cercles exotériques qui détruisent davantage notre jeunesse. Je prie aussi pour les élections qui auront lieu l'année prochaine, afin que le Seigneur puisse déposer sa main sur ces élections et que le candidat qui soit choisi soit le candidat voulu par la population camerounaise. C'est pour cela que la Vierge Marie est toujours avec nous. Et aujourd'hui, on se rend compte de combien elle est importante pour l'Église. Remarquez que dans l'Évangile de Jean, elle n'apparaît que deux fois. La toute première fois où la Vierge Marie apparaît, c'est dans le deuxième chapitre, aux noces de Cana, où elle vient présenter Jésus et elle vient, où elle vient rencontrer Jésus et elle dit « Ils n'ont plus de vin ». Elle amène Jésus à anticiper son moment parce qu'il dit que mon heure n'est pas encore venue. Mais parce que Marie a demandé, il dit « Ok, il transforme l'eau en vin ». Et là-bas, on dit « Marie est la mère de Jésus ». Dans le 19e chapitre que nous venons d'écouter, Marie quitte de mère de Jésus à mère de l'Église. C'est pour cela qu'il dit que « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Et à partir de ce jour, le disciple l'a pris chez elle. Comme pour dire que Marie n'est plus seulement mère de Jésus, Marie est aussi mère de l'Église tout entière. C'est pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, la place de Marie dans notre Église est on ne peut plus importante. Devenant la mère de l'Église et étant la mère de Jésus, elle est capable d'intercéder pour chacun d'entre nous.
De la même manière que la faute est entrée dans le monde par une femme, de la même manière le salut entre par une femme. Marie est celle qui nous a aidés à être sauvés. Et Marie est celle qui intercède toujours pour nous, de la même manière qu'elle a intercédé aux noces de Cana, en disant « Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin !» Et Jésus a dit que même si mon heure n'est pas venue, je vais réaliser cela pour toi, maman. De la même manière, Marie intercède pour chacun d'entre nous. C'est une grâce, c'est une opportunité que le Seigneur nous donne encore aujourd'hui, de ne jamais se lasser, de demander l'intercession de la Vierge Marie pour l'Église premièrement, afin que cette Église qui est bâtie sur le Christ, qui a pour pilier les apôtres, ne faillisse jamais. Malgré les difficultés qu'elle est en train de traverser en ce moment, l'Église en a connu davantage pire, mais continue à prier à travers l'intercession de la Très Sainte Mère pour qu'elle soit davantage solide et solidifiée, premièrement. Deuxièmement, je voudrais que toi aussi, tu demandes l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle puisse intercéder pour toi, pour ta famille, pour tes projets. Elle agira toujours. Les autres pourront te dire, Marie ne peut pas intercéder pour nous. Elle est la seule, Dieu, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu, entre le Père et nous. Je me dis que, mais on n'a pas besoin seulement de Jésus-Christ. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez, je vous l'accorde. Mais on voit aussi qu'au Noce de Cana, Jésus, Marie a intercédé. Clairement, justement, il y a le pouvoir de l'intercession. Et donc, Marie continue à intercéder pour toi. Demande son intercession et elle agira. Mais n'oublie pas, nous sommes au mois marial. Il faut toujours faire ta prière du chapelet. Continuons à prier le chapelet pendant tout ce mois. Que le Seigneur te bénisse, qu'il me bénisse et que la Vierge Marie continue à intercéder pour nous. Bonne fête à toi qui porte le nom de Marie. Et bonne fête à nous qui suivons le Seigneur et demandons à la Vierge de nous assister, de nous garder, afin que nous continuions à être le sel de la terre et la lumière du monde. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.